Coucou! Salut Julien. T'as un petit peu d'écho, mon ami. Il faudrait mettre des choses au mur. Je vais essayer d'activer Crisp. Attends une seconde. Salut Eric. Salut Julien, Freelance Partners. Contente, bien sûr. Après ce super No Code Summit à Paris. Maintenant, Paris, c'est the place to be pour le no-code. C'est la capitale du no-code. Salut, Patrice. Donc, bienvenue à tous pour ce on-air numéro 14. Alors, depuis le début de l'année, depuis septembre, le format a un peu changé. Je ne suis plus tout seul à parler, mais j'invite des gens pour parler pendant 1 heure et puis pour construire une petite base. On a une base fil rouge qu'on a commencé le mois dernier avec Élise. Et donc, l'idée ce mois-ci, c'est de continuer tout en faisant connaissance avec notre bel ami Florian Verdonck. Exact. Voilà. Ça va mieux pour l'écho. C'est un peu mieux, ouais. Tu as mis Ok. Chris? J'ai mis Crisp. Ok, d'accord. Ok, bon, disons que je pense qu'on peut commencer doucement, les gens vont arriver. Et puis, de toute façon, ce que les gens veulent voir, c'est que tu pratiques, que tu Ouais. nous montres un petit peu ce que tu sais faire. Ouais, complètement. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, où est-ce que tu habites, et puis voilà quoi. Bien sûr. Non, moi, c'est Florian. J'habite en Belgique. Je suis développeur de formation et ça fait plus ou moins 2 ans, à mon avis, que je me suis vraiment spécialisé sur Airtable et Integromat, qui est devenu Make. Donc vraiment pour construire la solution no code plus rapidement, plus efficacement, etc. Et surtout maîtriser vraiment de bout en bout toute une stack technique pour être capable de simplement délivrer des projets plus rapidement avec un meilleur niveau de confiance, etc. Et tu as découvert Airtable comment? Comment ça s'est passé? Découvert en fait chez un client, parce qu'Airtable, ils font beaucoup de contenu SEO un peu. Des articles du genre comment construire son CRM ou utiliser Airtable comme CRM, utiliser Airtable comme gestion de tickets, etc. Bon, pour le coup, je suis tombé dessus, c'était pas l'outil adapté parce que bon, redévelopper, réinventer la roue, ça sert à rien s'il y a déjà un outil qui convient bien. Donc finalement, eux, on a trouvé un outil qui leur convenait bien. Mais c'est vrai que j'ai découvert Airtable, je me suis dit, oh, c'est quand même pas mal parce qu'en fait, à la base, j'étais déçu en arrivant en me disant, mais c'est quoi cet outil de ticketing où il faut tout faire? Parce que effectivement, la promesse, c'est qu'on m'avait vendu un outil de ticketing. Moi, j'arrive, il n'y a rien, il faut créer les champs et tout. Bon, je me dis, OK, ce n'est pas ce qu'on m'a vendu. Et après, je me suis quand même dit, ouais, mais en fait, c'est pas mal pour des cas autres que le ticketing ou le CRM. Quand on a fait du 100% custom, bah, je me suis dit, ça va être pas mal. Et effectivement, en fait, depuis, je n'ai plus jamais décroché. Et donc aujourd'hui, tu fais du no code à 100% et tu fais plus de dev, parce qu'à la base, t'es dev. Ouais, je fais encore un peu de dev pour des projets. Privé, des petits trucs que je développe, et puis un peu de script dans Airtable ou du script parfois pour éviter de consommer trop d'opérations dans Make ou ce genre de choses. Ou même parfois les opérations sont vraiment compliquées, il faut itérer 2 fois. Enfin, quand c'est vraiment des structures de données qui sont complexes et qu'on doit arriver à un format qui est radicalement différent, parfois dans Make, alors c'est peut-être que je maîtrise pas assez, mais j'ai l'impression que parfois c'est vraiment lourd pour le faire, alors qu'en code, je sais pas, en 15 lignes, je suis capable de le faire. T'en fais aussi dans Softer, je crois aussi. T'aimes bien mettre. Yes. Ouais, aussi un peu de custom JS, custom CSS dans Softer pour rendre le truc un peu plus sympa ou plus interactif. Peut-être que tu pourras nous montrer à la fin Ouais. ce projet-là. Allez. Et donc aujourd'hui, tu travailles avec combien de clients? Alors, Franchement, j'ai déjà travaillé parce que j'ai bossé beaucoup le week-end, beaucoup après les heures, etc. Donc j'ai dû accompagner, je sais pas, franchement, c'est des dizaines. Je ne serais pas surpris que je sois 100 clients sur 2 ans.
Mais alors, ça varie vraiment. Il y a presque des solo business, il y a des PME, il y a aussi quelques grands comptes, quand même beaucoup moins en proportion, c'est principalement des PME. Je n'ai pas de secteur vraiment de prédilection. On va dire que j'ai eu quelques clients dans le bâtiment. Puis ouais. Non, franchement, il y a beaucoup de variétés dans les clients. Je n'ai pas de pattern récurrent. Mais c'est logique parce que je ne fais pas de contenu spécifique par rapport à des secteurs. Donc il n'y a pas de raison que certains secteurs soient plus attirés que d'autres. Et sur LinkedIn, il y avait Anmelai Chemsi qui te posait quelques petites questions. Je vais te les poser avant qu'on démarre sur la partie conception. Donc oui, un truc que tu n'as pas dit, c'est que tu es le créateur de Airtable Facile, une chaîne YouTube à succès. Ouais. Un succès, je sais pas. En tout Ah cas, si, tu as quand même mis 1 500 abonnés, quoi. C'est quand même pas mal. En tout cas, de 2 ans. ouais, en 2 ans, ouais, j'ai commencé à plus ou moins au début. Et en termes de source de lead, c'est quoi? C'est important? Comment ça se passe YouTube par rapport à ça? Alors, je traque pas avec précision, tu vois, ça c'est un des projets en cours, c'est de traquer vraiment avec soit des UTM ou tu vois des codes de tracking pour vraiment analyser la provenance des leads avec précision. Bah, c'est déjà enfin, c'est des gros chantiers, en tout cas, c'est un truc que j'ai jamais mis en place, donc c'est vrai que je vais être sûr de ne pas me tromper. Donc c'est vraiment à vue de nez, mais on va dire à peu près 30% vient du blog, donc vraiment articles, SEO, etc. Et 70% qui vient de la chaîne YouTube. D'accord, ok. Sachant que dans les articles de blog, parfois, il y a une, il y a, il y a un... c'est Ouais. associé à une chaîne, à une vidéo. Ouais, j'essaie en général quand je publie une vidéo, parce que dans tous les cas, pour préparer la vidéo, je vais faire un script, Bien je vais sûr. faire je vais bien structurer ça, et finalement, comme c'est déjà structuré, déjà mis en texte, j'en profite pour le cross-poster sur le blog, et comme ça enrichit un peu le SEO aussi. Donc, Salut ne peut pas Elise. payer. Salut Elise, ouais. Salut Xavier, salut Jérôme. Martial, salut Jérôme. Donc on peut conseiller à tout le monde voilà, de créer du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, des articles de blog. Je sais que voilà, Elise lance son activité, on va dire, en équipe. Donc il va falloir qu'elle travaille son référencement maintenant. Donc il faut faire ce type de contenu. Quel autre canal? Donc tu l'as dit, le blog. LinkedIn, il y a des gens qui sont venus de LinkedIn directement ou pas? Même si tu. LinkedIn, il y a un moment où je faisais beaucoup plus de contenu sur LinkedIn. C'est moins un truc qui me plaît parce que le contenu disparaît vite. À chaque fois que tu fais un post, tu vois, il a une durée de vie qui est relativement limitée. L'avantage de YouTube, c'est que j'investis du temps pour faire des vidéos, etc. Mais je sais que s'il y a vraiment un effet de longue traîne où les vidéos vont rester pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, je sais que ce n'est pas du contenu qui est perdu. C'est ce que j'aime moins avec LinkedIn. LinkedIn, j'aime bien partager des petites features qui sortent comme ça, tu vois, un petit post que je fais un peu à l'arrache, faire un peu de veille, etc. Mais pour du contenu un peu plus profond, je préfère le format YouTube et blog. Ouais, tu veux capitaliser sur le temps de travail, ce qui est Ouais, énorme. Après, le contenu, tu peux le recycler aussi, c'est-à-dire que bien sûr. tu pourrais quasiment, en limite, couper tes articles de blog en micro-bout et les mettre sur LinkedIn. Enfin, c'est voilà, c'est Ouais. ça. C'est tout ce travail de recyclage du contenu. Élise te demande des podcasts. Alors, les podcasts, moi j'aime bien, j'en écoute beaucoup, mais je pense que c'est plus adapté à certains sujets qu'à d'autres. Pour Airtable ici, je pense que c'est quand même un sujet qui est un peu visuel, où les gens aiment bien voir comment ça se passe en pratique, surtout les débutants. Nous, si on nous dit, OK, tu vas dans Automation, tu choisis le trigger, when record match condition, tu mets une action, run a script avec un fetch qui envoie vers un webhook, on va comprendre, mais pour un débutant, c'est du chinois et ça va être très compliqué de l'imaginer juste en écoutant. Donc, pour un podcast Airtable, en tout cas, moi, c'est pas, je ne lancerai pas ça en tout cas. Mais tu peux te faire inviter, parce que là, c'est presque un podcast, ce qu'on fait Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Voilà. Ouais, j'avais fait un podcast avec No Code Family. Ouais, et puis tu passeras peut-être sur le podcast de contournement un jour ou des choses comme ça. Donc, ça fait Ouais, bien aussi de la sûr. visibilité, quoi.
C'est bien. Ouais, tout à fait. Ça, c'est plus effectivement plutôt en mode découverte du profil de consultant, mais c'est pas pour apporter des sujets techniques Airtable, quoi. Parce que là, je trouve que la vidéo ou l'écrit, en tout cas les images, apportent beaucoup à la compréhension. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres outils no code que tu utilises à part Airtable? Demandé aussi, c'était demandé. No code. Ouais, en tout cas, je vais peut-être citer les outils. Après, il y en a du no code. Toi, tu utilises un petit peu d'autres types d'outils. Tu utilises Pipedrive, c'est ça aussi? Pipedream. Donc, Ah, j'utilise Airtable pour les bases de données. Ça, j'en change pas, même si je suis en train de tester Bezro, comme ici, mon t-shirt de l'Envic, là. Tac, Bezro. Mais Bezro, ça, je suis en train de l'essayer. Make, Integromat, je n'ai pas encore fait tout à fait la migration. Pipedream, c'est un outil qui permet d'héberger du code en ligne, d'éditer, d'héberger et d'exécuter du code en ligne via des fonctions. C'est le concept de serverless, etc. Donc on déclenche une fonction avec une URL qui est un webhook. Elle fait son traitement. Il y a des petits blocs préconçus qu'on peut ajouter. Par exemple, c'est des blocs no code qu'on peut rajouter, mais on peut aussi avoir des blocs de code et ensuite retourner une réponse. Donc c'est le genre de service que j'utilise justement quand je dois reformater de la data, etc. Je vais utiliser Pipedream. J'utilise aussi beaucoup maintenant Mini Extension. Ah, là, tu me fais plaisir. Pris un abonnement pour moi. J'utilise aussi de temps en temps Stacker pour certains clients, mais c'est vrai que je l'utilisais beaucoup avant parce qu'il y avait moins d'alternatives. On va dire maintenant, je suis un peu plus sur Softer de temps en temps, même si les petits soucis de sécurité m'ont un peu refroidi. Et donc, je suis en train d'évaluer aussi nos locaux. Qui m'a l'air d'être une solution qui est assez prometteuse. Ok, donc même dans ton cœur de stack, tu fais des petits tests pour voir s'il y a des alternatives, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. En tout cas, voir les avantages et inconvénients. Parce que, par exemple, Bezro, j'ai quelques clients pour lesquels je développe plutôt des SaaS sur base d'Airtable. Mais forcément, en SaaS, on a des problèmes de volumétrie, etc. Donc, c'est très bien pour prototyper, pour tester des choses, etc. Pour valider une idée, valider quelles sont les features importantes, etc. Mais on arrive très vite à des problèmes de scalabilité en termes de nombre de records. Et donc, des outils comme Bezro, qui se basent sur des bases de données type PostgreSQL, etc., sont beaucoup plus scalables. C'est open source, self-hosted, etc. Donc, dans certains contextes, ça peut être intéressant. Donc, j'essaie quand même de faire un peu de veille aussi sur des outils alternatifs comme cela. Ah bah, c'est justement l'une des questions qu'il posait aussi, c'est comment tu progresses à part le retour d'expérience, tu fais des choses particulières pour apprendre, pour monter en compétences? Moi, je teste en fait. En général, les moments où j'apprends le plus, c'est les cas clients. Donc, c'est des clients qui viennent me poser des Des questions challenges. ou des challenges vraiment Ouais. très spécifiques. Et c'est vrai que je teste. Et là, en général, je compte pas trop mon temps parce que je sais que c'est aussi rentabilisé sur l'expérience et ce que je vais apprendre de ça. Donc, parfois, ça m'arrive de tester trois solutions pour finalement en trouver une. Pas parce que la première fonctionne, mais juste elle est peut-être pas élégante, elle fonctionne peut-être pas de la manière idéale, etc. Et donc finalement, je teste différentes options et puis j'en valide une. Et comme ça, je sais que pour le prochain client, c'est la bonne que j'aurai dès le début. Il y a Jérôme qui demande qu'est-ce que tu fais avec mes extensions? Alors, mini extension, par exemple, des grilles d'édition en public. Donc, par exemple, quand on n'a pas envie de payer des collaborateurs pour. Je vais donner un exemple. On a des données qui sont dans une boîte et qui doivent parfois être visualisées ou éditées par des collaborateurs externes. Mais on n'a pas envie de les inviter sur la base pour qu'ils aient accès à tout, etc. Et donc, on leur fait une grille avec, je sais pas, 10 champs, par exemple. Quand ils cliquent sur Edit, ils ont un formulaire avec 5 champs qu'ils peuvent voir et c'est tout. Ça se limite à ça. Et ils ont juste vraiment une partie très limitée. Enfin, un accès très limité en fait à Airtable indirectement au travers de l'API. Donc déjà pour des questions de permission, je trouve ça plus facile à gérer d'avoir vraiment un portail externe et en plus pour le budget parce que du coup ça évite de payer un collaborateur. Maintenant ils sont passés quand même à 80 $ je pense au mois. Donc il faut déjà avoir au moins 4 utilisateurs externes pour que ce soit rentable. C'est ça. Mais
Donc il faut le prendre tout de suite avant que ça passe à 150. Ceux qui l'ont eu à 40 sont très contents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pas de, pour le coup, les formulaires avancés, tu les utilises pas trop. Si, si, formulaire avancé. J'utilise aussi beaucoup les formulaires pour, par exemple, quand on a besoin de création et de mise à jour. Ouais, update, ouais, bien sûr. Tu vois, avant, ce que je faisais, c'était un formulaire dans Airtable et puis un formulaire JotForm pour faire l'édition qui était remplie par l'URL, etc. En fait, ça fait perdre un temps fou, c'est moins stable parce qu'il faut intégrer avec Make, etc. Une extension. Il pointe directement sur un record, il va comprendre quelles données sont injectées dans quel champ. Quand on saute, il va comprendre quelles sont les données qui ont été modifiées. Enfin bon, moi je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Dans certains cas, mais quand on est consultant Airtable, en tout cas, il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est utile. Ok. Et tu proposes le service à tes clients aussi ou c'est le tien? Non, en fait, ça dépend un peu quand le client a besoin d'un formulaire et qu'il est OK pour. Rester avec moi, je le prends sur mon compte et sinon certains clients préfèrent avoir leur propre compte. Ok, super. Bon, allez, on va se lancer. Donc on va reprendre le travail de notre chère Élise, la chaise à bascule de la semaine du mois dernier. Alors attends, on va se mettre en mode. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On voit là. On est sur la base, notre base. Donc on va juste faire un petit tour pour. Ok. Voilà. Donc là, il y a visiblement une table contact qui reprend les différents contacts du CRM. On a les infos de base, la notion de contact, est-ce qu'on a contacté ou pas. On a un compte qui est associé, qui est donc l'entreprise dans laquelle le contact travaille, j'imagine. Un responsable, ici les responsables ont sauté, juste me permettre de réassigner, comme ça on n'a pas de liens qui sont passés. Et ici, on a une formule qui, à mon avis, est destinée à envoyer un webhook, mais comme vous n'utilisez pas Integromat ou Make, on a laissé google.com, j'imagine. J'ai pas vu l'émission. Ça doit probablement servir Vas-y, dans ça peut être. l'interface. C'est un bouton de l'interface, je crois. Un truc comme Ok. ça. Je sais plus pourquoi c'est là. Ouais, mais. Parce que appeler contact, ici, il y a un record ID. Moi, habituellement, ce que je fais quand je veux faire des liens téléphone, etc., dans des interfaces, dans software, etc. Ce qu'il est possible de faire, c'est faire un lien tel. Alors, je ne connais plus le nom de ces liens-là, mais c'est des liens tels, mail to, enfin, il y a quelques préfixes comme ça. Et là, on peut simplement se contenter de faire téléphone, comme ça. En fait, ce lien-là, si je le mets comme ça, on voit que le système le détecte comme un appel. Et donc, il va m'ouvrir l'application par défaut qui est enregistrée pour téléphoner. Et j'ai la même chose avec un mail to, par exemple, si je fais un mail to, gmail.com, et on peut aussi mettre des subjects. Si je fais test email, par exemple, ça pourrait être demande de contact, par exemple, et on peut aussi mettre un body. Enfin voilà, on a différents paramètres qu'on peut injecter. Quand je fais ça, ça m'ouvre automatiquement un mail avec le sujet pré-rempli, le destinataire pré-rempli et même le body qui pourrait être pré-rempli. Donc c'est pas mal. Enfin ouais, c'est un truc que j'utilise C'est encore. exactement le genre de choses que j'attendais de toi, donc c'est très bien. Ce genre de petit plus de non, qu'il y a. Et donc ça veut dire que là le bouton, parce que là tu as mis tel, mais c'est pas Ouais. un lien. Tu pourrais faire que quand ça clique, ça aille dans le navigateur et ça fasse exactement ce que tu nous as montré. Donc je clique, ça ouvre le mail et j'ai le mail qui est ouvert. Ouais, alors je sais pas parce que Airtable a une façon un peu bizarre de gérer les URL. Je peux tester hein. Si je fais appeler button et que je mets cette URL-là. Voilà, là il va pas le détecter parce que pour lui c'est pas un lien qui est valide. Après, il y a peut-être moyen de détourner. Moi, en général, j'utilise plutôt ces liens, par exemple, sur Softr. Sur Softr, là, il va le détecter parce qu'il ne fait pas de vérification. Ici, Airtable va faire une vérification et du coup, il ne va pas le détecter comme une URL. Donc le tel sur Software, ça apparaît comme une URL et quand tu cliques, ça va ouvrir un nouvel onglet. Ouais. Et pareil pour le mail tout, c'est ça?
Ok. C'est ça. Intéressant. Ok. Et donc, on a l'autre table qui est la table compte, qui sont donc les entreprises qui sont enregistrées dans le CRM, une raison sociale, une adresse, un code postal, ville et les contacts associés. Ouais, donc voilà, on était parti sur quelque chose de simple, enfin même de très simple, avec une interface aussi qui était voilà, faite de façon assez clean pour montrer les clients. Ah oui, l'objectif de la fois dernière, c'était d'utiliser les nouveaux boutons d'interface. C'est pour ça qu'on avait été pas mal plutôt dans l'interface, Ok. jouer avec. Voilà, dans CRM, voilà, C'est la celui-là, ouais, première. c'est CRM. Et Ok. donc, il y avait les boutons appeler contact. Et ça, d'ailleurs, là, ça fait ça. Et si je change, je vais juste essayer du coup de... De mettre tel à la place. Ouais. Vas-y. Pour voir si on peut faire appeler... Ah non, tu vois, il a le même problème, il détecte pas ça comme une URL. Ouais. Ce qui est, ouais. Ce qui est Ce qui est dommage. dommage. Ouais, donc je sais même pas si tu pourrais faire un truc avec une redirection sur Make via un webhook ou un truc comme ça. Bon. Ça va peut-être être un peu avancé pour le coup. Ok, et donc là on complète le CRM ou. Bah déjà, tu nous as déjà donné des petites astuces sur le côté téléphone email, c'était pas mal ça déjà. Même si ça ne marche pas spécialement dans Airtable, mais plutôt dans Softr, tel que tu nous le dis. Ouais. Et donc là, je vais bah, commenter s'il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein, ça m'a l'air très bien. Ouais, c'est bien structuré. En même temps, est-ce que je vais tacler Lise en live? C'est peut-être. C'est l'objectif. Alors moi, un truc que j'aime bien faire ici, c'est pas vraiment requis, mais c'est des vues. Je sais que mes clients, ils chipotent beaucoup, etc. Et donc, ce que j'aime bien faire, parce que souvent, je vais avoir des vues, et c'est cette première vue, cette vue qui s'appelle Grid View, en réalité, c'est la première sur laquelle les gens vont tomber, donc ils vont commencer à changer les filtres, les groupes, etc. Donc moi, pour des questions de gain de temps, je crée toujours une vue dev que je mets en personnel. Et comme ça, je sais que cette vue-là, elle contient tous les champs, il n'y a aucun filtre, etc. Et je l'utilise un peu pour trifouiller. Je trouve ça plus pratique que de devoir aller dans les vues Mais clients. là, hein, mais cette vue de dev, hein, très bien, c'est Mais fait comme comme elle est si tu personnelle, le problème, c'est connais. que je vais la laisser en collaborative parce que sinon, tu vois, ça va devenir une vue fantôme quand je vais sortir de la base. Attends, il y a Mathieu Punchrod qui nous a mis un lien avec en HTML, enfin avec un href. Il pense que ça peut peut-être marcher. Je pense Non? pas. Non? Bon. Non. Ok. Parce que Airtable ne va pas interpréter l'HTML dans les interfaces. Ce qui serait une bonne idée, hein, mais peut-être trop dangereux pour eux. T'as d'autres vues un petit peu de référence que tu mets systématiquement? Est-ce que, notamment, tu sais, les vues pour configurer les mini-cartes, est-ce que tu les mets systématiquement en haut ou alors t'en mets que si tu en as besoin? Non, je les mets seulement si j'en ai besoin. D'accord. Par contre, là où je vais souvent créer des vues, c'est par exemple quand j'ai besoin de récupérer de la donnée. Si j'utilise par exemple Make et que je dois aller récupérer certains records, je vais prendre un exemple ici. Si je voulais relancer toutes les personnes qui n'avaient pas été contactées et qui avaient un numéro de téléphone, j'ai deux manières de le faire. Soit je vais dans Make et je fais un search records où j'utilise le paramètre de l'API qui s'appelle filter by formula, qui permet donc de filtrer les records en utilisant une formule. Et donc la formule, elle ressemblerait à end contacté, virgule, téléphone différent de vide. Et là, je dois faire la formule et l'écrire vraiment à la main avec le risque d'erreur, etc. Surtout qu'on ne valide pas ces formules dans Make. Donc c'est seulement quand on exécute le module qu'on voit vraiment si ça a fonctionné. En fait, plutôt que de faire ça et d'utiliser ce filter by formula, je vais en général faire une vue à chaque fois que j'ai besoin de récupérer un subset de données, donc vraiment un sous-ensemble de records qui correspondent à des critères. Je vais les mettre ici et je vais en général faire un truc comme ça avec le petit cadenas pour que visuellement je puisse l'identifier.
Et je vais dire, par exemple, contact, je sais pas, à relancer, par exemple. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais directement les filtrer ici sur téléphone is not empty and contacter is unchecked. Et donc là, je sais que c'est tout cela qui doit être relancé. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, bon, je peux la verrouiller, mais déjà, c'est plus facile à éditer. Parce que ça veut dire que le jour où je change un champ, etc., je vais le voir dans ma vue qu'il y a un problème sur le filtre. Ça va être assez visuel. Si je veux rajouter des champs, c'est très facile. Je suis pas obligé de retourner sur Make et d'aller modifier le filter by formula, etc., commencer à rentrer dans la formule en détail. Et donc, en fait, je vais simplement dans Make dire, je vais faire un search record sur la table contact et sur la vue contact à relancer. Et comme ça, je sais que c'est carré et que tout est toujours bien lié ensemble. Il y a aussi le débat de entre mettre une vue filtrée comme ça et utiliser les automatisations et le fait de pouvoir lancer une automatisation sous certaines conditions. Ouais. Notamment, ça c'est notamment sur les webhooks, est-ce que tu vas plutôt utiliser un webhook, une automatisation qui va regarder une vue ou alors tu vas aller mettre des conditions dans ton automatisation directement? En fait, pour moi, c'est deux sujets différents. Ici, la question de la vue, c'est en général, je vais utiliser une vue quand je vais par exemple avoir une routine qui va tourner tous les jours et Voilà. qui tous les jours va devoir aller dans la vue. Pourquoi une vue? Parce que ça veut dire que si l'automatisation échoue à un moment, je vais retrouver ces records-là dans la vue. Et donc, je vais pouvoir s'ils échouent aujourd'hui, ils seront relancés demain, etc., automatiquement. Ce qui n'est pas le cas avec le match conditions, parce que quand il match conditions, il passe une fois dans le statut et puis il ne sera plus jamais détecté comme tel. Et c'est la même chose avec Ouais, enter the view, c'est quand il entre dans la vue. Mais si par exemple, on fait une automatisation sur un enter the view, on déclenche un webhook et qu'il échoue, le record, il ne va jamais ressortir et rentrer dans la vue. Et donc, on a perdu quelque part une exécution. Bon, c'est un peu technique, mais oui, je vois l'idée. C'est aussi l'avantage de batcher comme ça Ouais, tout à fait. les travaux. Donc, dans tes CRM, qu'est-ce que tu as à part des contacts et des comptes généralement, toi, comme table? Alors moi, il faut savoir que je suis très mauvais en CRM. Je déteste encoder, etc. Donc, je l'ai fait pour des clients, mais moi, je suis assez peu... je suis pas un gars des CRM. Ouais. Mais habituellement... ce que les clients me demandent, c'est des opportunités. Donc là, ça va plutôt être bon. Ici, il y a le fameux truc pour appeler les records. Ah ouais. Je ne sais pas si d'ailleurs ils ont une opportunité. Bon, on va le faire comme on fait les choses bien. Alors ici, je vois que Elise a utilisé identifiant, une formule. C'est bien. Moi, par convention, par rapport à moi-même, j'utilise en général ref en majuscule, mais on peut utiliser identifiant. On va se conformer à ce qui a été fait. D'accord. Parce que moi, j'ai tendance, la première colonne, j'ai tendance à l'appeler comme le nom de la table, en fait. Enfin, par exemple, si c'est des opportunités, j'appelle ça opportunité sans le S. Ou les comptes, j'appelle ça le compte sans le S. Parce que normalement, la première colonne doit caractériser un petit peu l'élément. Tout à fait. Tout à fait, c'est une bonne pratique, pourquoi pas. Ouais. Mais après, il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas encore vraiment de convention. Donc. Non, tout à Mais... fait. Bon, dans tous les cas, moi. Fais le jeu comme tu le fais d'habitude. Vraiment, fais-le comme tu le fais d'habitude. Si tu tapes ref, tape mais ref, vraiment. Ok. Voilà, bon, ici, la formule, je l'ai déjà dit et redit. Moi, j'utilise toujours une formule comme Primary Field, simplement parce que c'est plus flexible. Si on veut changer par la suite, on peut facilement rajouter ou retirer des infos de cette formule. Attention que j'ai entendu d'autres personnes dire que, par exemple, il fallait mettre des éléments qui étaient uniques dans ce champ-là, dans ce primary field. Alors, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai pourquoi? Parce que ici, si je vais dans mes comptes, là, il y a par exemple, la raison sociale qui apparaît ici dans le primary field. Donc, quand je vais vouloir le lier, c'est important d'avoir quelque chose d'unique parce que c'est ce qui va apparaître ici. Donc, si j'ai 10 fois la même chose qui apparaît, je ne vais pas savoir lequel choisir. Donc, en ce sens, c'est utile d'avoir quelque chose d'unique parce que
c'est la zone de texte qui va représenter le record. Donc, il faut qu'on sache quel record on va choisir. Par contre, ce n'est pas du tout requis que ce soit unique au niveau, je veux dire, informatique, pour les automatisations ou autres, parce que d'ailleurs, ce serait plutôt une mauvaise pratique. Ça voudrait dire que vous feriez des automatisations sur base du primary field, ce qui, pour le coup, est plutôt une mauvaise pratique que j'ai déjà vue, qui est un truc qui, visiblement, était assez présent sur Zapier, etc. Des gens qui essayaient de faire des matchings sur le primary field. Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce que si vous avez, je ne sais pas, une automatisation qui se lance avec un décalage de temps, etc., entre-temps, vous allez peut-être renommer votre opportunité et quand l'automatisation aura fini ou même qu'elle va se déclencher 3 jours après, suite à la signature d'un document ou autre, vous allez rechercher ce document sur base de son primary field et entre-temps, il aura changé, vous ne le retrouverez plus, etc. Donc moi, je conseille vraiment de faire des automatisations toujours sur base du record ID. Ça, c'est intéressant. Tu Qui... fais jamais de search sur un primary field. Tu fais le search sur le record ID Ouais. directement. Ok. Jamais, ouais. Pour moi, il faut vraiment savoir ce qu'on recherche et pas anticiper et dire, OK, si j'ai mon rêve plus autre chose, je vais tomber sur le bon record, etc. Pour moi, ça c'est la vérité, c'est le record ID. Et tout le reste, c'est du guess. Et pour moi, c'est pas fiable. En tout cas, c'est pas adapté pour un système en production. Très bien. Bon, là, on va en général avoir. Je peux reprendre d'ailleurs ce champ statut. On va en général avoir le type d'interaction. Enfin, ça, c'est vraiment pour les clients qui aiment bien tout encoder. Appel, email, voilà. Bon, après, ça dépend un peu des besoins de chacun. Pour le moment, on peut se contenter de l'appel de l'email. On va avoir une date. Donc, ce que tu appelles l'opportunité, en fait, c'est toutes les interactions avec le compte. Non, pardon. Là, je suis en train de faire déjà ma table d'interaction. Non, c'est moi qui me trompe. D'accord. Tu fais bien de m'arrêter. Ici, opportunité, bah, du coup, opportunité, il y aura simplement un nom. Un nom qui sera un single line text. A priori, cette formule, alors là, ça peut paraître un peu redondant parce qu'on va mettre le nom. Et donc, finalement, j'aurais pu le mettre directement ici, si j'avais mis un champ single line text, parce que je vais mettre, par exemple, je sais pas. Développement d'une app software, développement d'une app stacker. Finalement, ce champ-là, il va être exactement représentatif de ceci. Mais ce n'est pas exclu qu'un jour, vous décidiez de rajouter un code unique, par exemple, pour représenter ce projet. Parce que vous allez avoir un client, je vais rajouter mon client ici, client qui sera donc le compte. Un seul. On va par exemple en avoir un qui est Airtable Facile, ça c'est pour Airtable Facile, et ici Elise par exemple. Et Elise elle va dire ok, moi je vois ici une app software, et donc on va se retrouver avec un même identifiant, chose qu'on n'aurait pas anticipé initialement. Et le fait d'avoir mis une formule ici, vous allez pouvoir facilement vous dire ok, moi ici en fait je veux un code unique par exemple qui sera. On pourrait s'amuser à générer des identifiants uniques. Alors, Number, soit. non? Pardon? Tu voulais pas mettre un auto number? Ouais. Ouais, je peux faire un auto-number ou par exemple prendre une partie du record ID aussi. Par exemple, les quatre derniers caractères du record ID ou ce genre de choses. Et là, bah, je peux facilement ensuite modifier et dire en fait, je voudrais avoir un petit crochet, mon code. Je ferme mon. Voilà. Mon petit crochet et je mets mon nom. Je vois que tu espaces, tu colles pas tout dans ta fonction, c'est une bonne pratique. Écoute, moi je trouve que c'est plus lisible comme ça que si je commence à faire Ouais, ça. t'as raison. Moi, j'ai tendance à tout coller, mais t'as raison que c'est juste. Là, tu vois, c'est compliqué de savoir de quoi il s'agit. C'est vrai. Ouais, en général, je l'espace, je trouve ça plus lisible. Et donc voilà, donc utilité de mettre une formule, voilà, on se rend compte que c'est plus évolutif et ça va nous permettre facilement d'après le modifier sans causer des gros soucis derrière, devoir copier des valeurs ou ce genre de choses. Non, bon, ici, pour l'opportunité, pour moi, il n'y a pas de besoin défini à l'avance, ça va dépendre, il y a des boîtes qui vont avoir
de multiples produits qui vont vouloir lier les produits aux opportunités, etc. Donc ici, je propose de peut-être pas trop rentrer dans le détail parce que Oh. pour le coup, l'opportunité, à part peut-être une valeur. Un statut quand même, t'as pas mis de champ statut. Là, pour mettre un petit cambon. Statut. D'ailleurs, tu parles de Kanban. Est-ce que tu utilises vraiment, toi ou vis-à-vis de tes clients, le calendar, le Kanban, le timeline et quelle place on s'est vu d'un point de vue opérationnel dans tes projets? C'est ça que moi j'ai tendance à rester beaucoup sur les grids, les formulaires et pas mettre trop autre chose. Comment tu utilises les autres dans des cas concrets? Alors, ce que j'utilise le plus, on va dire, c'est Kanban, galerie, calendrier. C'est vrai que c'est assez rare, et les formulaires, et forcément les grilles. Ce que j'utilise le moins, on va dire, c'est les timelines et les Gantt, D'accord. parce qu'en général, c'est des projets qui sont un peu plus complexes. Ça, c'est des vues typiquement que j'ai utilisées plutôt pour les grands comptes qui devaient faire de la gestion de projets un peu plus avancés, etc. Et là, eux voulaient ce type de fonctionnalité. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je trouve par exemple la vue Gantt pas très adaptée, en tout cas avec certaines limitations. Voilà. Bon, y a probablement eu du changement depuis, mais c'est vrai que c'est pas des vues avec lesquelles j'étais particulièrement confortable de travailler parce que, par exemple, si on change donc le principe de la vue Gantt, c'est d'avoir des tâches qui sont dépendantes les unes des autres, etc., et d'avoir un espèce de une vue un peu en cascade en fait des tâches et ça gère assez mal finalement les dates de début, dates de fin. On se retrouve rapidement avec des dépendances circulaires quand on calcule la date de fin sur base de la date de début, mais cette date de début elle dépend de la date de fin de la tâche précédente, etc. Donc je trouvais pas ça très bien foutu par rapport à des outils comme Microsoft Project ou ce genre de choses. Donc ouais. Je suis ça assez rarement. Et les galeries, tu utilises ça pour quoi, par exemple? Galerie, en fait, je trouve ça. En fait, c'est plus visuel pour, par exemple, présenter soit des produits pour lesquels on aurait des images de présentation, ou par exemple des biens immobiliers, on a des photos du bien, c'est plus visuel quand on doit identifier rapidement quelque chose. Les galeries, c'est assez utile en général. Mais c'est vrai que ce n'est pas une vue qu'on va beaucoup utiliser en production parce que c'est bête, mais simplement le fait que chaque carte de la galerie prenne une hauteur assez importante et en fonction des écrans qu'on va avoir. Ici, si je prends mes contacts, si je crée une vue galerie ici, bon là, il n'y a pas encore d'image, mais si je viens rajouter une image ici, la taille des cartes, elle va en gros doubler. Donc finalement, je vais pouvoir voir 10 cartes en même temps. Donc c'est pas le plus simple, même visuellement, pour savoir où se raccrocher pour trouver de quel record on parle. De quel record on parle, c'est pas spécialement évident. Donc galerie pour moi, c'est vraiment quand on a besoin de d'identifier visuellement un record sur base de son image. Là c'est très utile parce que là on peut scroller dans la liste et l'identifier comme ça visuellement. Ouais, tu Si pouvais faire une vue avec des lignes très très larges, enfin, très Ouais. hautes, et tu aurais aussi des grosses images en format grid Ouais, tout aussi. à fait. Tout à fait. Ça, par exemple, la hauteur de la ligne, c'est un truc que j'utilise rarement, mais c'est vrai qu'en combinaison avec des images, Ouais. ça peut être utile. J'ai l'impression que c'est plutôt enfin, comme une galerie, des vues de présentation, quoi. Galerie, Ouais. c'est pour présenter, j'allais dire, dans une réunion, des infos un petit peu jolies, mais d'un point de Ouais. vue opérationnel, c'est toujours de ce côté qu'il va falloir faire deux clics pour commencer à modifier quelque chose. Donc ça, c'est ennuyeux. On ne voit pas toute la data. Et puis, même le Kanban, si tu veux, tu vas pouvoir jouer sur une dimension, mais c'est tout, quoi. Alors que c'est généralement, on joue sur plein de dimensions en permanence, quoi. Tout à Donc fait. Tout à fait. c'est C'est les plus limites que je effectivement, vois un petit peu. c'est plus des vues de visualisation Voilà. que d'édition. Après, c'est parce que nous, on passe beaucoup de temps aussi dans l'outil à chipoter dans les données, etc. Par exemple, des vues comment, c'est très bien pour gérer des opportunités, pour avoir une idée de son pipe. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas tous les jours dans Airtable, qui reviennent par exemple une fois par semaine dedans. Et quand ils voient cette grille et qu'ils doivent mettre à jour leurs données, etc., finalement,
Parfois, on leur demande simplement de mettre à jour des statuts d'opportunité. Ça peut être des mandats de vente en IMO ou des choses comme ça. S'ils ont une vue Kanban, bon, ici, je vais peut-être la créer directement dans l'opportunité, ça aura plus de sens. Sur le statut, voilà. Mais finalement, ils reviennent une fois par semaine là-dedans. C'est très clair, ils font POC, 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 et ils ont positionné leur record, ils savent. La semaine d'après, ils les font évoluer comme ça. C'est quand même un peu plus facile que d'avoir cette grille au complet. Bien sûr. Et Voilà. sinon, un autre élément aussi pour lequel j'utilise encore les grilles, et ça c'est un peu un usage détourné d'Airtable, c'est un client qui m'avait demandé de faire un espèce de, on va dire de e-commerce, mais hyper simplifié. Donc il avait ses produits qui étaient dans une vue galerie comme ça. Et ce qui est sympa avec la vue galerie, c'est qu'on peut aussi rajouter des boutons. Et donc en fait, si je viens, je peux reprendre, je fais simplement. J'ai un doute s'il va. Je ne sais pas si le bouton va reprendre la formule quand je vais changer le. Bonne question. Ah ouais, Ah. il l'a pris. Voilà, par exemple ça. Genre acheter quoi. Donc je fais un bouton acheter. Il faut s'imaginer avec une belle image, etc. Et là, en fait, on peut simplement faire une vue comme ça, avec les infos de base du produit, la petite image qui va bien. En fait, je peux faire une vue comme ça qui est partagée. Et des utilisateurs externes peuvent facilement venir ici et faire acheter. Ils sont redirigés sur le Stripe Checkout Session ou sur un lien de paiement, ce genre de choses. C'est plutôt pour des achats vraiment en interne, parce que pour un e-commerce, bon, vous avez le logo Airtable, etc. ici. C'est pas très adapté. Je l'avais fait ici, c'était pas vraiment pour de l'achat, c'était pour des gens qui recherchaient des paires de chaussures, des sneakers, et qui disaient, OK, moi je veux acheter tel modèle en taille 44, je veux acheter tel modèle en 38, etc. Puis ceux qui avaient le modèle pouvaient simplement cliquer ici, remplir un formulaire en disant j'ai ce modèle, et ça faisait assez bien le travail. Donc les vues galeries, en fait, je trouve ça effectivement sympa pour les partager en public. Tac, bon, on va continuer sur notre CRM, sinon il va pas avancer. Oh, Julien. Vas-y, 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 vas-y. Donc, opportunité, tac, 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 interaction. Ça, ils l'auront. Ah non, ils l'ont pas mis. Ce truc est assez inutile. Ah, c'est totalement inutile. Je sais pas pourquoi ils ont pas autorisé un terme libre, en fait. Bah, bien Ça aurait sûr. été Ah, intéressant mais... de l'avoir. Alors, j'ai vu des remarques sur le forum Airtable, sur le fait qu'au niveau de l'interface, ça aurait pu déborder, etc. Donc pour moi, et il y a aussi la notion de pluriel, où effectivement, en fonction des endroits, ils vont le mettre au singulier ou au pluriel. C'est quoi le Et... send record là qui est... Il rajoute des boutons là, c'est pas ce que c'est ce truc-là. Ça, c'est quand tu fais clic droit et que tu fais send record. D'accord. C'est ce genre de choses que tu as déjà utilisé par exemple? Jamais. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ce sont ces boutons de. C'est sûrement pour des usages un peu dans des grands groupes où tu vas envoyer à un de tes collègues une information, mais c'est un truc. Ouais, effectivement, j'utilise jamais, c'est peut-être une erreur. Par contre, ce que j'utilise beaucoup, c'est Copy Record URL. Parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas, c'est le moyen le plus rapide pour moi de récupérer le Record ID. Parce que quand tu le colles, en fait, le Record ID apparaît ici. Et Ah, donc, quand tu veux tester, par exemple, un Get Record dans Make, ouais. le forcer manuellement, tu vas faire un Get Record sur base de l'ID. Et comme ça, je peux tester manuellement, tu vois, je vais injecter le record que je veux récupérer. Je vois. Et du coup, je me suis même fait un raccourci où quand je copie le record URL, si je fais commande E, automatiquement, il va me strip Okay. Ouais. les données. Il va me, tu vois. Donc, quand je fais commande E, en fait, ça me fait le commande V, mais seulement du record ID, Pas qui mal. fait gagner un peu de temps. Allez, on avance. Allez, on va y aller en mode speed. On y va, on y va. T'inquiète, moi, j'ai Ouais. l'habitude de charbonner sur les bases Airtable. Hop. Note. Y a Omega Aksu qui demande ce qu'on fait de beau. Bah, on construit un CRM. Un outil de gestion des relations clients. Voilà ce qu'on fait. Interaction, je te mets Omega là. Aksu. Hum.
Le client. Ouais, le client, mais là il faudrait prendre mettre le collaborateur. Au collaborateur, de nouveau, en fait, c'est rare, moi, que j'utilise ce champ-là. Ouais. Simplement parce que souvent, on a besoin de venir greffer des infos supplémentaires sur le collaborateur, comme son numéro de téléphone, son email, en fait, dans la boîte, etc., qui est peut-être pas la même que l'email d'Airtable. Ou même des boîtes qui n'ont pas envie de rajouter tous les collaborateurs comme collaborateurs et qui, donc, les stockent dans une table. Bien sûr. Ou même quand on veut Oui. utiliser Même Soft. au niveau des statuts, de savoir s'il est encore dans la boîte ou pas dans la boîte et tout ça, ça peut agir. Exact. Donc, ce truc collaborateur, en fait, c'est vrai que c'est rare. Moi, ce que je fais, on peut le faire, hein, comme ça, on explore un peu collaborateur. Alors là, moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets, tu vois, je mets les champs, même si je sais qu'ils ne sont pas nommés de la bonne manière et qu'ils n'ont pas le bon nom, enfin, pas le bon type. Parce qu'en fait, si tu fais ça, dans tous les cas, il va reprendre tes références. Et après, tu peux simplement te contenter de faire genre prénom. Tu vois, tu gagnes un peu de temps. Quand tu fais ça, dans tous les cas, il va remplacer tes. Ouais, plutôt que d'avoir à les supprimer puis en refaire d'autres, quoi. Vu Ouais, que... c'est ça. Et du coup, je fais direct ma formule et je sais que de toute façon, la formule restera stable. Et donc, et alors, ce que je fais, c'est que je fais ça comme ça. Et là, si besoin, je peux encore associer un collaborateur qui est un utilisateur ici. Et comme ça, éventuellement, je peux avoir le lien malgré tout qui reste. Et Ah oui, ça et me quand permet d'avoir tu, d'avoir. si tu le mets, si tu le mets en lookup dans d'autres tables, ça peut quand même trigger des choses ou il peut recevoir des notifications quand il y a des choses qui bougent, même si on le met en lookup et pas en Non, new. Non? Ok. je pense pas. Mais c'est vrai que ce truc de notification, j'utilise Vraiment. rarement. Et à la limite, c'est presque deux cas d'usage différents. C'est plutôt pour moi quand tu vas mettre un collaborateur, c'est quand tu vas avoir des tâches ou des choses comme ça. Et donc c'est plutôt sur des durées de vie assez courtes. Quand j'utilise une table comme ça, c'est plutôt pour des questions historiques où je vais vouloir assigner le collaborateur qui était en charge d'un projet et c'est le collaborateur qui restera à vie dans la table, même s'il quitte la boîte. Effectivement, je vais mettre en général un statut actif ou non. Je même en général, je fais plutôt désactiver pour éviter de devoir cocher tout le monde. Et comme ça, tu vois, et alors je peux désactiver des utilisateurs ici. D'accord, c'est pas ok. C'est pas genre en cours, enfin salarié en cours et ancien salarié quoi. C'est l'équivalent en fait. Ouais, en général, moi j'aime bien mettre plutôt, j'essaye dans la plupart du temps d'avoir des statuts booléens plutôt que Ouais, d'avoir des single d'accord. select. Ouais. C'est plus facile de les gérer dans les. Déjà, ça évite que tes utilisateurs ils commencent à changer les modalités de ton single select. Parce que souvent, Ouais. le truc avec les single select, c'est que quand tu vas vouloir observer l'état d'un single select, tu vas faire un if où tu vas comparer le texte qui est dedans. Et il suffit que quelqu'un décide de mettre une majuscule ou de retirer la majuscule ou de mettre tout en majuscule ou autre, et tes switches, etc., risquent de déconner. Alors qu'une valeur booléenne comme celle-ci, ça dit simplement si c'est désactivé, si c'est, tu vois. Et donc, tu as moins de risques d'erreur ou moins de chances que ça se détériore avec le temps. Je vois, ouais. Parce que sinon, tu vois, tu vas avoir un single select qui dit actif, inactif. Donc finalement, tu as quand même deux modalités, mais qui sont présentées dans un champ qui permet plus de modalités que ça. Et donc, tu vas avoir des trucs du genre, les gens vont avoir actif, inactif, et après, ils vont mettre en discussion, ou je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça, et tu vas te retrouver avec. Il y a Absolution Tabulous qui dit qu'effectivement, ça c'est vrai, les collaborateurs, ça c'est pertinent pour les histoires d'interface. Ce serait intéressant de voir si en mettant un lookup sur la table des opportunités dans les interfaces, est-ce qu'on va avoir des interfaces spécifiques à chaque collaborateur, même en format lookup, tu vois? Dans les interfaces, quand tu as un champ collaborateur, tu peux regarder l'interface du point de vue du collaborateur. Mais est-ce que si c'est un lookup, est-ce que ça marche toujours? C'était ça le... À mon avis, oui. Ouais. À mon avis, oui, on peut essayer, hein, mais Si tu fais juste un lookup, enfin, il ouais. faut que ce soit un lien vers le... Que je fasse d'abord le lien vers le collaborateur. Ouais, c'est ça. Je suis en train de créer des liens Est-ce entre. que, par exemple, tu t'appellerais un collaborateur ou, par exemple, responsable, par exemple, parce qu'une opportunité, c'est plus... Est-ce que tu Ouais. nommes comme les champs ou alors tu mets, tu vois, tu interprètes, tu t'interprètes parfois comme ça. Okay.
Idéalement, j'essaie de garder le même nom que la table, simplement parce que D'accord. visuellement, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de double-cliquer le champ pour Ouais. voir de quoi il s'agit. Mais en fait, si c'est implicite de qui il s'agit, je vais laisser collaborateur parce que je sais ce que c'est. Par contre, parfois, tu vas avoir genre, un responsable de l'opportunité et tu vas avoir, je ne sais pas, la personne de contact ou ce genre de choses. Et là, tu vas avoir deux liens vers la même table. Et là, effectivement, c'est très important de bien les lier, enfin de bien les nommer, parce que sinon, Airtable, par défaut, il va te mettre collaborateur tout court et collaborateur 1 ou collaborateur copie ou un truc comme ça. Donc là, c'est important, effectivement, de bien les nommer. Mais là, on peut mettre responsable. Là. Donc, je fais ça. Normalement, là, je suis censé avoir deux tâches. Je Mais fais. deux. Ouais, vas-y, ça suffit, ouais, effectivement. C'est plutôt sur la c'est plutôt test c'est plutôt pour les sur les opportunités. C'est plutôt les opportunités que on va afficher une opportunité Ouais. et on va venir filtrer par les collaborateurs. Record review, et donc là, toi tu voulais filtrer sur. Ah, mais ouais, j'ai oublié de la. Non, Tu c'est l'as pas bon. look up? Tu n'as pas fait look up? Ouais, il faut look up. Ouais, donc il faudrait attendre. Parce qu'en fait, parce que là, moi j'ai fait un lien direct, mais toi ce que tu voulais, c'était pas ça, c'était un Non, lookup. non, si, c'est ça. Et dans les opportunités, tu fais le lookup sur vraiment le collaborateur en tant que compte. Ouais, d'accord, ok. Je vois ce Pour que tu voir si ça prend en compte le. Bon, c'est un détail, mais. Et donc là, je dois juste mettre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, Ok. il est détecté, tu vois, il est bien affiché. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'ils ont essayé de bien intégrer ça. Voilà. Si Okay. tu fais le filtre, ouais, responsable. Marrant. Ah non, je suis dans contact, c'est pour ça. Opportunité, filtre. Collaborateur, Tu peux mettre ouais. current. Ouais, tu peux mettre current user. Donc c'est nickel. Ok, donc ça c'est bien. Donc ça veut dire que même en ayant une table des collaborateurs pour pouvoir profiter du fait de mettre plein de champs, tu peux quand même profiter du fait d'avoir une interface spécifique avec Yes. le copain. Donc ça c'est bien. Exact. Ouais, donc ce truc-là, cette table collaborateur, pour moi, c'est intéressant, sauf si on a besoin de taguer des collaborateurs vraiment spécifiques. Fait un champ email, parce que généralement l'email, enfin, le collaborateur va recevoir des notifs de son manager parce qu'il n'a pas fait des trucs et tout ça. De se faire spammer. Ouais, ou un rappel que Bien sûr. l'opportunité n'a pas été appelée depuis 20 jours et donc il faut qu'il rappelle. Ouais. Et alors, tu peux aussi nommer, tu vois, les champs dans l'autre sens et dire responsable de l'opportunité ou responsable des opportunités plutôt. Parce que de la même manière, tu vois, si tu fais deux champs, deux liens vers une même table, le lien inverse va se créer dans les deux sens aussi. Et ça, c'est assez piégeux parce que si tu ne penses pas les renommer, tu ne sais plus Ça, lequel c'est est lequel. classique. Dans les bases qui sont faites par des gens qui ne sont pas Ouais. experts, tu te retrouves rapidement avec interaction 2, 3, 4, 5. Exact. Généralement, qui a été échangé en texte parce qu'il l'a supprimé et puis on a remis un autre. Ça, Ouais. ça Mais fait. ça d'ailleurs, c'est très facile à identifier, tu vois. Quand tu as le nom d'une table qui est mis dans une autre table et qui est en format texte et qui contient presque rien, en général, tu sais que c'est des essais. Ouais, ben voilà. Après, ici, on a les interactions. Les interactions, on a un type d'interaction avec un single select, téléphone, email ou rendez-vous. Puis après un petit compte rendu ou je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, J'appelle ça. en général, je mets note parce que c'est quelque chose qui est assez, Ouais, non, si, non, c'est bien. assez large. Voilà quoi. Ah, d'ailleurs, là je vois que dans Ref, maintenant ça met la date au bon format.
Parce qu'avant, ça mettait, quand tu mettais une date dans une fonction, ça mettait le format tout pourri avec tout collé, quoi. Ouais, tout à fait. C'est nouveau, ça, je crois. Je n'ai jamais vu ça. Alors, en plus, je peux le formater. Ouais. Ah oui. Alors, c'est peut-être. Ah, non, c'est pas ça. C'est probablement parce que c'est un format. Il y a juste la date. Si tu commences à Exact. concaténer, ça va reprendre le format un peu pourri. Là, ça Ouais. va. Ouais, je pense que Logique, là. tu vois, parce qu'il va essayer de le. Ouais. Voilà. Du coup, je vais essayer de le Ça mettre change en le format. string. Ouais. Du coup, le truc classique, c'est des time format de C'est ça sûr. avec des DMM. En général, c'est comme ça que je le fais, moi. Ouais. Tu. Parce que t'as en général pas besoin du détail de l'heure, etc. Ouais. Je pourrais mettre type simplement. Il faudrait peut-être l'opportunité. Après, ça, c'est pas très beau. Ça va faire un peu long, tu vois, mais Ouais. déjà, il faudrait inverser le type. L'opportunité. Après, généralement, dans l'écriture aussi, j'essaie de réfléchir à dans quelle table liée, tu vois, dans la table mère, qu'est-ce que j'ai envie de regarder vis-à-vis, enfin, d'avoir une vision rapide des interactions, tu vois, de se dire finalement, Oui, tout à fait. généralement, j'ai pas besoin de l'opportunité parce que c'est la liaison, et Ouais. je veux les dates et puis peut-être le type, quoi. Juste pour que savoir rapidos de quoi Ouais, c'est vrai. C'est vrai. vois. L'opportunité dans ce cas-ci sera peu, enfin, sera pas très utile, mais tu vas te retrouver avec ce fameux, cette question, tu vois, de Absolument. l'unicité, mais qui de nouveau ici, on voit, ne pose pas de problème. C'est-à-dire que si je mets la même date téléphone et téléphone, fondamentalement, ça va pas poser de problème. Moi, généralement, je pense que je mets aussi le collaborateur, Ouais. justement, dans une logique de monitoring. Tu veux voir, voilà. Vraiment, tout dépend effectivement de s'il y a des gens qui travaillent dans cette table d'interaction. Par exemple, moi, je fais souvent une vue de la journée pour avoir le tracking de toute l'activité des. Par exemple, dans les équipes commerciales, tu peux avoir le listing de toute l'activité de la journée. Et donc, c'est une vue qui peut intéresser un manager. Et dans ce cas-là, il veut voir rapidement qui a vu quoi dans la journée, tu vois. Et donc, Ouais. généralement, et donc tu peux mettre plus d'informations. Mais si ce n'est pas le cas, enfin, voilà, c'est là où, finalement, les bonnes pratiques sont à géométrie variable selon les usages du client, quoi, aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça m'arrive effectivement assez souvent de faire des primary fields qui sont pas uniques pour des besoins comme ça où finalement tu vas avoir besoin d'identifier facilement ton record et mais tu vois ici si tu devais faire une vue bon tu pourrais toujours la grouper par collaborateur Bien et à la sûr. limite t'es pas obligé de Bien la sûr. voir Bien là-dedans. sûr. Oui, c'est sûr. L'unicité, elle est très importante, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu dois rechercher, quand tu dois créer des. Quand tu as un formulaire et que tu vas devoir aller taper dans cette liaison d'interaction pour aller relier. Si tu as des clients pour le même nom, la personne ne va pas savoir quel client prendre, quoi. Ouais, C'est là le point plus critique. Mais là, sur une table qui est en fait une table qui a pas. Enfin, on ne va jamais relier une interaction existante à quelque chose. C'est juste à la génération de l'interaction qu'elle se crée. ça. C'est moins critique. Ouais. C'est très clair. D'ailleurs, peut-être le petit tips, parce qu'après, je pense qu'on doit clôturer, non? Ouais, on va clôturer après. Pour les formulaires, etc., tu vois, je parlais de référence par ID et pas par. Ouais. Pas primary field. Donc si je devais faire un formulaire d'encodage d'interaction, tu vois, que je donne à mes commerciaux, ils ont la date ici, ils ont le type, ils ont l'opportunité. Le collaborateur, ça, c'est typiquement un champ que je vais vouloir pré-remplir et que je vais masquer. Donc ici, pour le moment, je vais le laisser juste pour les besoins de la démo. Et là, tu vois, j'ai déjà vu, et notamment...
Allegria qui fait ça, qui pré-remplit les collaborateurs sur base de leur nom. Et donc, ça fait que quand tu fais ton. C'était quoi le. Je pense que c'est pré-fill underscore. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Collaborateur égale Florian Vardon. Enfin, ça devrait fonctionner. Tu vois, tu l'as comme ça. Et là, le truc, c'est que déjà, ton collaborateur, il est affiché en texte, ce qui veut dire que. Si tu envoies ça à des clients, par exemple, et que tu ne sélectionnes pas un collaborateur, mais tu sélectionnes un truc qui potentiellement, tu vois, ne devrait pas être changé, quand ils voient cette valeur-là, ils peuvent encore la changer manuellement, ce qui n'est Bien pas le sûr. cas avec le record ID, parce que le record ID, il laisse pas vraiment de traces et d'idées Bien sûr, bien sûr. de quel pourrait être le prochain record ID. Donc, c'est pas, c'est difficile à découvrir à l'avance. Et en plus de ça, ici, si j'envoie ce lien-là et que je dis à... au C, je leur envoie leur lien par mail. Là, c'est basé sur le primary field. Le jour où je change le primary field, ce truc-là va sauter. Ouais. Alors qu'à l'inverse, si je prends le record ID ici et que je le renvoie, donc là, moi, ce que je ferais Tu peux plutôt. préfiler avec le record ID? Ouais. Et du coup, je ferais lien. Tu vois, à chaque fois que j'ai des formulaires qui doivent être encodés par les collaborateurs ou autres, je leur fais un lien qui est ici et qui est une formule. Et donc. Je vais regarder ceci. Et record ID. J'ai jamais fait. Le Mais là, le truc, c'est préfil que. avec le record ID, j'ai jamais fait ça. Ouais. Et là, Marche. au moins, c'est Ah stable. ouais. Ouais, bien sûr. Et même chose pour les opportunités. Enfin, tu peux faire ça pour tous les trucs. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans la barre de recherche, ça fait moins tâche. C'est vrai que si tu vois marqué Florian Vernon qui est dans la barre de recherche, Florian Vernon, c'est ah, c'est pareil. Peut-être que je Ouais. pourrais jouer. Alors que là, effectivement, il y a le mot collaborateur qui est là, mais le reste, c'est pas très. Ouais. Et après, tu peux aussi faire, tu vois, le truc de Voilà, I, c'est plus cash, le ouais. nouveau truc qui est quand même Ouais. pas mal pour masquer ce champ-là. Et là, t'es... Bon, ça, franchement, ça se voit plus très fort. Enfin, je veux dire, après, tu peux encore aller chipoter, aller chercher d'autres collaborateurs et tout ça, mais... Et alors, formulaire d'encodage, pourquoi tu appelles ça encodage? Je comprends pas ça. J'ai mis encodage ici pour encoder une interaction. Donc là, c'est le commercial qui va arriver, qui va encoder une interaction, qui va dire, OK, aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous à 14h dans le cadre du développement de l'App Stacker. Ça s'est très bien passé. Tu vois. Et C'est... donc, tu appelles ça encodage, d'accord? Pardon? Je connaissais pas ce terme. Enfin, ce terme d'encodé, C'est peut-être un... Peut-être que je suis un... En codage, attends, est-ce que c'est un truc d'informaticien je. ouais, c'est possible. Action d'encoder. Ouais. Après, encoder, encodage de caractère, je sais pas si c'est. Tu mettrais quoi? Tu mettrais. Ah bah, là, je vais mettre là je dans le titre je mettrai je sais pas nouvelle Moment de interaction. création. Ouais, nouvelle interaction par exemple c'est ouais ou création interaction ou nouvelle interaction parce que c'est l'action que propose de faire le formulaire en fait. Oui, tout à fait. Ce sera plus clair comme ça, parce que c'est vrai qu'encodage, Apparemment, ça. Elise dit que c'est depuis Oui. le juillet qu'on peut faire avec le field ID. Ah, mais attends, si, on peut. Ah oui, mais c'est super ce qu'elle vient de dire là. Parce qu'en plus, parce que là, pour l'instant, est-ce que ça veut dire qu'au lieu de mettre pré-fill underscore le nom, je peux faire pré-fill underscore le field ID et ça marche quand même? Alors moi, j'ai jamais testé en fait avec le field ID, mais c'est vrai que c'est une bonne Elle vient de dire idée. que pour le nom des champs, ça pourrait marcher aussi. Ok, donc ça Alors, veut dire. comment tu vas récupérer le field ID aussi? Parce que. Ah, si tu. Ouais, c'est un peu. En fait, maintenant, il y a plusieurs manières. Soit tu peux Ah oui. maintenant panneau manage field, mais ça, Vas-y. c'est seulement si tu es en compte pro. Sinon, tu peux aller dans l'inspecteur et. On a un compte pro là. Donc ça devrait aller, non? Yes. Ouais, ça va. Donc là, je prends mon collaborateur Ça ici. va le coller à la place du collaborateur. C'est bien si ça effectivement ça marche. Ouais, ça Ah marche. ouais, génial. Ah ouais, ça change pas mal la chose aussi. Ouais, Le tout à coup. fait. Ah bah merci Élise. Merci Et beaucoup. donc là, on a un truc qui est tout à fait dynamique et qui n'est plus dépendant des valeurs En textuelles. plus, tout à fait. Voilà, on en apprend tous les jours. Voilà.
Bon, ben voilà, on a passé notre petite heure, on a quand même appris des petites choses, c'était bien. En tout cas, merci Florian. Où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie de discuter avec toi, de poser une question? Par email sur D'accord. LinkedIn, OK. ouais, et puis pas hésiter à envoyer des relances parce que sur Et pas LinkedIn, hésiter à commenter tes vidéos YouTube, c'est ça? ouais, le post bleu aussi. Le pouce bleu, d'accord. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Merci pour cette petite session. C'était cool. Merci à toi. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour Airtable Arena, qui sera a priori sur les outils de génération de documents. On va se fighter un petit peu sur les outils, quels sont les outils que les gens apprécient, et les plus et les moins de chaque outil. Et puis sinon, on se revoit. Dans 1 mois pour continuer ce petit travail de découverte des consultants Airtable et de faire avancer notre petit CRM chéri jusqu'à un outil professionnel et opérationnel. Hein. De toute façon, on vous mettra à disposition la base qui vient d'être faite. Donc vous pourrez aller revoir les petites choses qui ont été créées et vous pourrez réviser avec ça. Et voilà tout. Bon, bah, à très vite, bon courage, bon travail à tous, et puis toi, Florian, pareil, et puis à très vite. Yes, à bientôt. Allez, Ciao. salut, bye.